Salut tout le monde. Bon ben voilà, je vous fais une petite vidéo là sur une restauration de moteur de. En fait, c'est pas de Nitro, c'est de Malaguti. C'est les mêmes. Hein. Mais en fait, je croyais que c'était un moteur de Nitro, mais bon, je me suis planté. J'ai vu que c'était un moteur Malaguti, mais c'est quasiment pareil. Que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Et que je viens de recevoir. Donc là, on va l'ouvrir. On va voir dans quel état il est. La balle est à l'arrache, mais au taquet, de la galère. Bon, la crasse, hein, la crasse, on dit toujours que ça entretient. Donc on va voir. Tu vois, le mec a dû le démonter, il n'y a pas le temps. Il a arraché carrément le truc, tu sais. Ou peut-être, je ne sais rien. Tu vois, le fil de l'allumage est coupé. Ça, c'est la surprise, tu vois, il m'a rien dit. Bon, après, je l'ai acheté dans l'état, donc je ne vais pas me plaindre. Donc, on va voir si le moteur il est bloqué. Est-ce qu'il y a le kiff? L'air bloqué. Bon, il y a le kick qui me fait chier. Le kick. Bon, ça a l'air de comprimer, oui. Ouais, ça force un peu. Bon, peut-être aussi le truc, il est. On va voir l'état du ciel. Petit coup de clashoc, clashoc est dégagé là. Après, vous voyez, j'ai commandé aussi le tien de piston au même endroit sur le Bon Coin. Tu vois, du adaptable, c'est du P2R, il est tout neuf. J'ai payé 20 euros de moins que. Sur le site normal, je l'ai acheté sur Bon Coin. Quand j'ai acheté le moteur, quasiment pareil en même temps. Il est où le truc? Après, moi je vais l'acheter pour le rénover ou pour les pièces, hein, mais ça sera sûrement. Je vais le rénover, je vais voir l'état. Parce que des fois, ça te marque un bon état. Mais. Aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, en fait,
Non, c'est bon. Voilà, elle me dit à la serveur, elle a pas de jeu. Et tu vois, il y a un peu de rouille. Et ça, je pense que. Tu vois, il n'y a pas la bougie, je pense que tu vois, à l'intérieur du système, je pense que tu vas voir. Bah, tu vois, voilà. Il y a de la rouille. À mon avis, il est resté comme ça, à l'air libre pendant un moment. Mais c'est pas descendu vu qu'il y avait des segments. C'est pas descendu de le vide bancaire, donc je pense pas. Ça n'a pas l'air. On le voit. Après, la bêta du jeu, enfin, c'est normal. Donc là, je vais le mettre à le nettoyer. Je vais pas vous filmer parce que ça va devenir trois plombes. Là, je vais plus le démonter. Je vais démonter le carter de kick. Va être vite démonté. Il n'y a qu'une clé à linge, qu'une. Alors je vais voir si je le. En fait, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un moteur de nitro. Et après coup, une fois, je l'ai payé, bien sûr, une fois qu'il avait envoyé tout. J'ai vu sur la photo que là, il y avait écrit, tu vois là. Regarde. Tu vois là. Là, t'as écrit la fin de Malaguti. Après, c'est pareil que Nitro, tu vois. Mais il faut que je regarde si c'est le même branchement de. Même branchement. Oh, merde. Si on peut mettre la roue de Nitro, regarde si c'est pareil. Je suis pas sûr. Je vais pas regarder, mais. Au moins c'est du rapide. J'avais jamais fait des malaguti, tu vois. Une fois, je découvre. C'est un maillot d'origine, ouais, ça a l'air d'un maillot d'origine. Embrayage. Ouais, ça a l'air d'origine l'embrayage. Voilà, mon âge il est beau encore. Faudra graisser un peu tout ça, mais ça fait. Le cylindre, tu vois, le piston cylindre est bon, hein. Franchement, tu mets un coup de. On va appeler ça. Tu le nettoies, tu vois. Dedans, tu mets un petit coup de broudoir, je suis sûr que ça le fait encore. Il a pas l'air d'avoir. Non, il y a juste des traces de rouille, hein. Mais c'est rien ça. Ça, tu mets un coup de broudoir, ça peut le faire. Ah, en plus. Ah, en plus, c'est d'origine et tout. Il faut que je regarde dans quel état il a. Parce que ça, d'occasion, tu vois. Ça serait mieux de le monter, mais bon. Je vais recharger le piston, tu vois, comme ça tu pars tranquille, mais. Je sais pas. Faut que j'aurai mieux l'état du cylindre. Il est bien coulé. Un vario, tu vois que ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Il est oxydé et tout. Ouais, c'est de l'eau. C'est de. Ouais, de l'origine. Voilà, maintenant je vais faire un nettoyage complet. Je sais pas, je te montre. Je ferai une autre vidéo pour le. Une autre vidéo. Ou dans la même vidéo, je sais pas, je verrai. Pour. Comment dire. Le montage du cylindre piston, tu vois. Et tu le verras dans un meilleur état, je pense. De tout gratter. Ah, ça a l'air pareil que Nitro. Au niveau des. Ouais, ça a l'air pareil que Nitro. Faut que je vois par rapport que j'ai un autre support de truc Nitro. Ouais, ça peut être bon. Ouais, c'est bon, faut que je refasse un peu nettoyer. Et voilà. Que ça soit bien propre.
Mettre ici une piston, regarder la gueule de l'allumage parce que voilà, hein, démontage rapide. Ouais. Le piston tu es bon, je pense que je sais pas si je vais mettre un autre piston d'origine. Voilà, je pense. Si le cylindre est bon, franchement, je vais faire un truc propre. Ouais. Mais je verrai. Bon, mais je vais vous reprendre après. Bon, mais voilà, le moteur est fini. J'ai monté le sien de piston neuf. J'ai tout nettoyé, tu vois, par rapport à juste avant. C'est un peu moins dégueulasse. J'ai dû gratter un peu. J'ai tout contrôlé là. J'ai tout démonté niveau allumage et tout. Ça là, l'allumage, je l'ai remonté, mais le gars, il faut qu'il soit il le change, soit il fasse un branchement. Tu vois, c'est un allumage d'origine, hein, normal. Après, j'ai tout nettoyé niveau transmission, tout. Carter de kick. Après, ça a l'air d'être. Je sais pas si c'est un moteur Malaguti d'origine ou si c'est genre un moteur Nitro. Ils ont monté un carter de Malaguti dessus. Je sais pas. Parce que c'est vraiment identique à Nitro. Je connais pas Malaguti. Dites-moi dans les commentaires si c'est en fait c'est identique ou c'est juste le carter qui change. Après, le carter est pas mal. Hein. Normalement, il y a un plastique là, qui avale l'air, entre guillemets, qui fait circuler l'air là. Et ça ressort par là. En fait, ça refroidit le carter quoi. Fait toute la transmission et tout. La petite touche tuning. Bon, il manquera juste à mettre la visserie, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, je vais me faire chier à chercher encore. Et après, ouais, voilà. Et pour ceux qui voudraient savoir l'année de moteur, vous voyez, là, écrit. Il est écrit 2002. C'est les deux derniers chiffres, en fait, de l'année 2002. Donc, c'est moteur 2002. Comme 1998, c'est les deux derniers, c'est 98. 2013, c'est 13, enfin, bon, voilà. Donc voilà, après ça vous l'avez partout, même sur le carter là, carter de kick, carter d'allumage, pompe à eau, machin, même tu l'as là, tu vois, voilà c'est à l'envers, attends, tu vois, exemple, c'est la date de fabrication ça, 01, tu vois, bon, c'est l'année juste avant, bon, ça changerait, mais, donc voilà, bon, et bien, mettez-moi un commentaire de ce que vous en pensez de ces moteurs, je pense que ça a l'air identique à Nitro. Donc deux solutions, soit c'est un Nitro, ils ont monté le carter de Malaguti, ou alors c'est vraiment Malaguti et donc je sais rien. Enfin voilà. Bon mais dites-moi, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos comme ça, du même style ou des trucs un peu plus différents, mais de, toujours pareil, dans les motos, scooters et tout ça. Donc voilà. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Et à bientôt.